Aïe, 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 aïe. Donc l'Alaska est enfin sortie avec pas mal de rajouts et de mises à jour. Donc je suis plutôt content. Ça redonne un haut intérêt au jeu. Et évidemment, nous allons voir tout cela ensemble. Voilà la montagne de l'Alaska. Franchement, c'est pas mal. Et il y a même une petite ville que nous allons faire justement pour que je vous montre un petit peu les nouveautés. Oups. Ah oui, attendez, hop, 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 hop. Vu que je suis en train de stream, graphisme, on va les passer en élevé seulement. Voilà. Question de principe, hein, quand je stream, je diminue un peu la qualité graphique du jeu. Voilà. Alors parmi les nouveautés, on peut slider. Ça y est. Avant on pouvait le faire, mais c'était compliqué, dur, chiant, tout ce que vous voulez. Maintenant c'est devenu un vrai truc. Et c'est cool. Il y a des nouvelles musiques aussi, hein. Vous pouvez entendre les nouvelles musiques. Sympa le gadanal que de cheval, t'as vu? Est-ce qu'il y a une bonne musique là? Allez, allez. Réussir à slider, c'est quand même assez difficile, hein. Je sens qu'ils ont rajouté ça pour faire plaisir, mais que c'est pas leur priorité, hein. Donc bienvenue en Alaska. Il y a beaucoup beaucoup de choses à voir, hein. La map est très grande. Ah bah t'es, je suis assez près d'une drop zone. Putain, là. Cool, toute cette poudreuse rien que pour moi. Il y a un vent du diable. Est-ce qu'il serait possible de trouver quelque chose avec les jumelles? Trouve rien avec les jumelles. Mais j'ai trouvé cette piste-là. Rider sur des reliefs.
Voilà. Ah, les nouvelles musiques sont vachement cool. Merde, 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 je gagne pas de points là, je perds des points. Oh non! Remonte! Remonte! Oui! J'ai flippé. Allez, hop, 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 hop. Et j'aurai pas la médaille d'or. Hein. Oh, quel ride! On va retenter. C'est la même erreur que tout à l'heure. Ah bah attends, il y a une drop zone là. Cool. Pas une trace en vue, je vais pouvoir tracer comme une dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, l'épreuve du slalom, ça je le ferai plus tard. J'avais débloqué une autre épreuve. Où qu'elle est? Oula, j'ai peur. J'ai peur de celui-là là. Voler uniquement près du sol. Ouah, mais pourquoi il y a du brouillard? Ok. Je sens que celui-là va être chiant. Bon, on va passer à un autre défi, hein, viteuf. Enfin, je vois rien. On va faire celui-là, voilà. Il m'a l'air bien, celui-là. Oh, putain, encore du wingsuit. Attention. Voilà, au moment où je dis attention, c'est peu.
Bon, le but c'est de faire le meilleur temps, pas de prendre des risques, alors on va éviter les arbres. Passer par-dessus. Proche d'une drop zone, il va falloir que je la trouve. Ah, elle est longue, hein. Elle y est, hein. Là-bas. Non, je suis trop loin. Tu es trop loin? Eh ben on y va. Parti. Ah ! Je suis passé. Je pourrais être sûr que quand je serai assez près. Ah putain, faut encore être plus près. Attendez, je réponds à SMS. Voilà. Ah putain, merde. Voilà, cool. Et monte. Olé. Y a trop d'arbres en Alaska là, oh. Putain, c'est là-bas. C'est pour ça que je le vois pas. Ok. Voilà. Ouh. Non, c'est pas pour cette fois. Putain, trop encore trop loin. Voilà, je réponds encore à un SMS. La banane se barre toute seule. Calme.
C'est pas mal beau hein, quand même hein. Allez. Allez. Ah, je suis assez prêt. Stop. J'espère que personne n'a trouvé cet endroit. Je le veux pour moi toute seule avant qu'il soit couvert de touristes. Avant qu'il soit couvert de touristes. Il y a un snowpark ? Il y a l'air d'avoir un snowpark, effectivement. Attends. Aïe, 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 je me fais spammer de SMS. C'est la violence. Un snowpark, hein. Oh, 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 il est où ton snowpark? Ah ouais, bah oui, on est en Alaska, forcément, les snowparks, ils sont faits avec des rondins de bois. Genre, ils ont des vrais snowparks, tu sais. Merde. Il est loin d'arriver. Yes. Dégue. On y retourne. Donc vous le saurez, hein, les snowparks en Alaska sont faits avec des rondins de bois. Voilà. Important à savoir. Dommage, c'était classe. Aïe. Ça va. Les mecs, ils te mettent du reggae, tu sais. Ça a l'air marrant ici. Ah.
Non! Dommage! J'ai été trop gourmand! Oula, j'ai mal atterri! Voilà! J'ai réussi à faire ce score malgré une chute, donc je suis content. Bon, toujours est-il que ça a donné évidemment l'idée d'un super truc à faire. Voilà. Une section de saut de votre ride. D'accord. Pas mal. Bref, j'ai aussi trouvé ça. Oh putain. Ah d'accord, j'ai compris. Oh sa mère. T'as plus les ailes? Non. Yeah. Wouh! Médaille d'or. C'est passé. Et le niveau max a aussi augmenté hein. Du coup maintenant le niveau max est niveau 30. Pas une drop zone là? Ça va là-bas, c'est pas une drop zone, non? Il doit y avoir une drop zone cachée, hein. Ça doit être une drop zone. Bah oui. Non plus. Où est-ce qu'il pourrait y avoir une drop zone? Merci. En vrai, la grande difficulté de cette montagne, c'est qu'elle n'a pas de... Elle a des pentes, en fait, à plus de 65 degrés. Et du coup, ça commence à devenir extrêmement tendu.
Salutations à Sword. Donc là, nous allons faire un peu d'exploration. J'aimerais bien découvrir un maximum de choses. Olé! Aïe, aïe, aïe. Bon alors? Ah, le, sur le mobile, ça doit pas être sans sas, effectivement. Bon, en vrai, cette pente est pourrie. Ah, attends, un pic là. Sûr, c'est une drop zone. Ah, c'est pas une drop zone. Un peu plus haut alors, drop zone. Bah non, je serais passé à côté du coup. C'est chaud, hein, quand même. Hein. Éperon du sud-est. Utrecht sud. Mouais, 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 mouais. Ah, ici peut-être? Non? Ah non. Ah ouais, c'est le bord de map, ça. Non, non plus. Bon! Bah, j'aime pas ici parce qu'il fait tout nuit. Voilà, on va retourner vite fait là parce qu'il fait beau. Voilà! Je vous laisse apprécier la musique, l'ambiance.
Je vous présente le plus grand lac gelé du monde. Uniquement en Alaska. Regarde le bateau, quoi. Merci Ubisoft d'avoir la flemme de coder de l'eau. J'imagine que ça doit être chiant. Aïe 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 aïe. Ubi. Pareil, ils t'ont fait toute une zone là, ici, mais elle sert à rien du coup. Qu'est-ce que tu veux slider dessus? Qu'est-ce que tu veux faire dessus? Y'a rien. Par contre, ils t'ont codé ça. Et ça, par contre, c'est la violence, hein. Matez ça. Aïe 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 aïe. Cet endroit est trop chiant. Même les routes, elles sont casse-couilles. Regarde ça. T'as vu ça? Les mecs en Alaska, ils savent pas construire des routes. C'est trop difficile. Après, j'avoue que c'est joli à regarder. C'est assez marrant de l'avoir galéré. Là, on arrive dans la zone marrante du truc, mais c'est vraiment tout en bas, quoi. Du coup, il va vraiment falloir trouver une zone cool dans le coin, quoi. Une espèce de cuvette, ici. Ça me donne envie de tester un truc. C'est ridicule. Y a pas mal de chaînes sympas, mais voilà quoi. Pour gagner, tu vas devoir montrer au juste des qualités de navigation et d'équilibre. Régulation, c'est une exigence du circuit. La clé pour rafler l'or, c'est de miser sur tes réflexes. Ne loupe pas les portes, mais surtout reste stable dans les airs pour assurer tes atterrissages et conserver ta vitesse. Ok? Ok. Olé. Putain, c'est chiant.
Oh non non non, tu vas pas trop vite. Je le vois venir comme une gros comme une maison ça. Je vais aller trop vite et je vais pas pouvoir tourner. Et je vais me louper le checkpoint. Et ben voilà! La foule a adoré! Les juges ont adoré! J'ai adoré! Oh, bien joué, Superstar! Alaska Bleu Ciel, j'ai chopé! J'ai chopé quoi d'autre comme objet? Donne-moi mes objets! Snowboard Alaska, yeux bleus! Allez, encore! L'objet de médaille d'or, c'est quoi? Ah merde! Oh, c'était ça, l'objet de médaille d'or! Ok! Strong. Quoi ça? Ah oui, j'avais la médaille d'argent mais pas la médaille d'or. On va régler ça. Et allez! Non! Faut se louper aucun trou en fait, si on veut gagner un maximum de points. Aïe aïe aïe, le bas du ventre il touche, tu meurs quoi. Non! J'ai failli réussir, putain! Ah, j'ai pas besoin de passer par un autre trou. Voilà, j'ai déjà ma médaille d'or. Je crois que celui-là mérite un solo d'air guitare. Red Bull a amené le line catcher en Alaska. Et t'es sur la liste des VIP.
C'est la plus grosse compétition de freestyle backcountry. C'était déjà énorme dans les Alpes, alors attends-toi à des gros scores et à un niveau super élevé. D'accord. Niveau 28, j'ai débloqué le défi de niveau 28. Donc apparemment, c'est celui-là, c'est ça? Pour gagner, va falloir faire preuve de fluidité. Les juges ne recherchent qu'une seule chose sur cet event, le style. Et on sait tous les deux que t'en manques pas. Donc, pour exploser les scores, montre ta technique et reste dans le flow jusqu'au bout du rail. Ok. J'ai une queue, ça devrait...
Cette piste est vachement cool, hein, néanmoins, j'adore. T'es raté. Fail. Je dirais pas, mais la pente est hyper raide. Dommage. Ah merde, j'ai cru que je m'étais crashé. Hélicoptère ! Hop. Ah. Putain. Cette musique me donne du courage, donc j'aime bien. Allez, c'est parti.
Voilà! M'en fous, j'ai eu ma pièce d'or! Putain! Ma pièce d'or, ma médaille d'or, pardon! Ah ouais! Alors là, je m'attendais pas à ça! Il est temps d'aller rider dans la poudreuse! Et du coup, j'ai débloqué ceci! Oh, c'est du parapente! Ça va changer ça! Cette musique me rappelle la musique dans la planète au trésor. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle. Jouer avec un la manette. Oh là là, je suis une bite. C'est pas assez dangereux ça? Oh là là, ouais. J'ai 4 minutes pour atteindre l'arrivée. Je viens de capter qu'ils m'ont enlevé de... Bon, c'est pas grave. Ils m'ont enlevé le défi, bande de bâtards, là. Ah, news, là-bas. Ouh, il m'a l'air violent, celui-là. On a dit voler près du sol, pas dedans. Dommage. Là, en 30 secondes, j'avais les 20 000 points.
Le monsieur avec moi s'est pris un arbre. Non! J'étais arrivé à la fin! Ah non! Oh non! Aïe. Je suis pas mauvais en wingsuit en plus, c'est ça le pire. Alors bien sûr, c'est au moment où je dis ça que je me prends la pire chute possible, quoi. Deux fois. Trois fois. Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y arrive plus. Là, j'ai des lags. J'ai des mini freeze. Ah! J'aurais pu gagner les 40 000 points si j'avais passé ces arbres. Non! Pas possible! Aïe. Je pense que je peux gagner quelques points supplémentaires si je vole près du sol dès le début. Comme ça, mon multiplicateur, tu vois, il est déjà entamé. C'est ça qu'on veut voir. Un multiplicateur déjà entamé. Avant même de commencer, tu vois. Hop! Ah, j'ai des micro-freezes! J'ai des micro-freezes, c'est hyper chiant. Non, puisque vers le bas, c'est pour remonter, justement. Ah.
dommage, dommage. Au moins j'ai la médaille d'argent. Pour ça de gagner. Un arbre. Voilà. Pour ça de gagner, hein. Ah, il y en a un autre là. Encore? Eh, mais il y a que du wingsuit sur cette montagne ou quoi? Une chute impeccable. Il faut pour moi. Bande de baltringues. Ah, je crois qu'il fallait tourner à gauche. Ouais, enfin, tourner à gauche, ça va être un peu impossible, alors... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Tourner à gauche, ça va être un peu impossible, du coup, je vais me contenter de passer tout droit. On dirait le style de musique de la de générique de Gravity Falls, c'est cool. Tu allais un peu trop bas. Yeah yeah yeah. Ouais, ils sont sérieux là? C'est le casque qui m'a sauvé la mise. Va falloir que j'y rentre en étant très haut en fait. D'accord. Tiens. T'apprendras à faire le kéké. Marrant, je dis ça parce que je m'appelle Kevin, tu vois. Bref. Olé, 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 c'est de la merde.
Je vais pas passer par là où ils veulent que je passe, hein. Je suis deg. Je crois pas, une vraie touriste. Toujours rien de l'autre côté. Oh ben je commence à bien la connaître cette montagne. Bon, ça me choque qu'il n'y ait toujours rien de ce côté-là, en fait. Il devrait y avoir quelque chose. Oh, attention. J'ai dit... Il devrait y avoir quelque chose. Attention, Kelly en approche. Mais... T'arrêtes de te casser la gueule quand je te lance. Là. Voilà. Là. Nickel. Oh là-bas, il y a un superbe glacier. Je sais même pas si c'est un glacier, mais c'est pas grave. Non, c'est pas un glacier, c'était des arbres. Triste. Rien. Y'a rien de ce côté, c'est grave quand même. C'est triste, hein, surtout. Rien mis de ce côté, quoi. Merde alors. Ah regarde, là il y a plein de cailloux. Avec une belle descente. Tu vois, ça se fait en snow ça. Ah, tu vois le glacier Taylor. Eh bien qu'il y avait un truc à découvrir. C'est de la glace fine, c'est dangereux. Dangereux. Et voilà. Il n'y a rien quoi. Pas même un petit défi, allez. Regarde là, je me mets là. C'est sauvage. Là, le défi c'est de rester vivant jusqu'à la fin. Allez, vas-y. Vous remarquerez que j'ai dit vivant, pas forcément sur sa planche, hein. Ils n'ont même pas fait de défi ici alors qu'il y avait largement de quoi faire. Ubisoft, quand même. Ah!
Niveau course de vitesse, c'est de quoi faire ici, hein. Et je suis même pas vivant, quoi. Les murs de machin. Ouais, ça m'a l'air sympa. Ici aussi, ça m'a l'air marrant. Alors pour le petit détail les gens, il y a Total War Arena qui revient, le grand retour de Total War Arena. J'ai été sélectionné pour la alpha fermée. Ils organisent ce week-end. Petit problème, je n'ai pas le droit de vous montrer des images du jeu, ni même de vous montrer des photos, des vidéos, donc je n'ai pas le droit de le streamer. Donc je suis désolé, mais vous n'aurez aucune nouvelle pour l'instant. Enfin, vous ne verrez rien quoi. Toujours est-il que si vous êtes intéressé par Total War Arena ou que vous savez pas ce que c'est, sur la chaîne YouTube de Mundus Bellicus, vous avez toutes les infos que vous voulez, ainsi que quelques vidéos tutoriels à l'époque où je pouvais y jouer. Record du monde du saut de falaise. Record du monde du saut de falaise. J'ai battu le record du monde sans le faire exprès, dis donc. Voilà, je vous conseille d'aller sur le YouTube de Mundus, de chercher dans les... je sais pas si j'ai fait une playlist spéciale Total War Arena, mais vous cherchez les vidéos de Total War Arena, hein, sont pas si vieilles que ça. Elles datent d'il y a un an, je crois. Et vous pourrez voir... De quoi ? On peut-tu jouer sur console? On peut-tu jouer? On peut-tu jouer? On peut-tu jouer? Alors, si la question c'est est-ce que je joue sur console, c'est non, je joue sur PC. Si la question c'est est-ce qu'on peut utiliser la manette des consoles sur le PC, oui, on peut. Si la question c'est est-ce qu'on peut te rejoindre sur la console, je suis pas sur console, désolé. Bon. Toujours est-il qu'apparemment j'ai battu le record du monde de saut de falaise à cet endroit-là. Effectivement, c'est pas mal beau. Je devrais même réessayer, t'es. Il est Québec-Canada. Est-ce qu'il se vend sur console? Oui, il se vend sur console. Même la plupart des communautés. Quel saut! J'espère que quelqu'un a pris une photo. Même que la plupart des communautés jouent sur la console, si tu veux savoir. Le PC étant le support le moins joué. Je ne sais pas pourquoi. PC Master Race. Eh merde, j'ai mal atterri. Merci beaucoup. Sur les gars, mais s'il en a...
300 XP par 300 XP, ça va vite, hein. Bien joué. Va falloir que tu continues à sortir le grand jeu. On a le feu vert pour aller rider au sommet du mont Denali. Y'a rien de plus extrême. T'as jamais, j'ai bien dit jamais, affronté quelque chose de ce niveau-là avant. Alors surtout, reste sur tes gardes là-haut. Dans la Xbox 3.6, j'en sais rien. Laissez-moi vous raconter une incroyable histoire. L'histoire de ma naissance. Bien avant mon existence, vivait ici un homme grand et puissant du nom de Yako. Yako aspirait à trouver une compagne. Alors il construisit un canoë et s'aventura vers l'ouest dans l'espoir de la rencontrer. D'accord. Ride en passant par le checkpoint. Eh ben c'est parti. Lorsqu'il atteignit le village du grand chef Corbeau, une des femmes lui offrit sa fille et l'avertit que le grand chef voulait le tuer. Oh, c'est triste. Mec, tout ça parce qu'il voulait pécho une nana, quoi, merde. Allez, continue. Yako s'enfuit en pagayant, mais le grand chef Corbeau le pourchassa, invoquant une tempête si puissante qu'elle créa des vagues géantes. Vas-y Yako, je suis avec toi. Marcher jusqu'au checkpoint. Bien sûr, il a fallu que mon personnage se ratatine là-bas, quoi. Je vais y retourner viteuf pour continuer. J'ai envie de connaître l'histoire de Yako. Attends-moi, Yako. Je vais te sauver. C'est la violence, cette descente. Elle est violente, cette descente. Hein. Je vous conseille de pas y aller en vitesse maximale. Hein. Comme je viens de le faire comme un teubé. Ouais, vas-y Yako, tu vas le défoncer, le sorcier corbeau. Le grand chef corbeau lui lança alors son harpon, mais Yako transforma une grande vague en montagne à l'aide d'herbes magiques, et le harpon se planta dans la crête de la montagne. Classe. Mec, il a carrément transformé la vague en montagne. Bam. Voir de la terre. Coup de balle. Au-dessus de Yako. Il utilisa alors toutes les herbes restantes pour changer cette montagne d'eau en montagne de pierre. La classe.
et il utilisa ses poils de cul pour faire les arbres. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Il utilisa ses gaz pour créer le vent. Le canoë du grand chef se fracassa sur la deuxième montagne, le jetant sur les rochers, où il se transforma en corbeau et vola vers le sommet de la montagne. Épuisé, Yako s'endormit. À son réveil, il vit qu'il avait créé deux montagnes. La première, petite, à l'ouest. La première est petite à l'ouest. Ok ? Et la deuxième, elle est grande à l'est. Et après, la montagne va dire, et c'est moi. Je suis la grande montagne. Il va dire un truc du genre comme ça. Va pas trop vite. On a tout notre temps. Oulala. La seconde, beaucoup plus grande, est devenue ce que je suis, le grand Denali. Yako regarda vers le ciel et aperçut le grand corbeau, heureux d'être de retour avec son peuple. Il dansait dans les airs, semblant approuver les créations de Yako. D'accord. Bah écoute, c'est bien de faire la paix, hein. Un peu déçu, hein, Yako, t'as pas tué le grand sorcier, quoi, merde. Vous avez passé les trois épreuves que j'ai mises sur votre chemin, sur terre et dans les airs. Maintenant, vous pouvez continuer votre route et explorer mes vastes pentes et chercher les secrets que j'ai cachés. Yeah!
J'aurais dit que tout autour, ouais, ils ont rien mis tout autour. Désert de Gobi, best zone ever. Aïe aïe aïe. Oh le bug! Oh le bug! Record du monde de saut de falaise. J'ai battu le record du monde que j'ai fait tout à l'heure par un autre record du monde. En apparaissant là. Voilà. Tout va bien. J'ai créé un défi. Il est tout con, voilà. Ah bah j'ai fait planter mon jeu. Ouais, je crois que j'ai fait... Ouais, bah voilà, j'ai fait planter le jeu. Vous êtes au courant que j'ai des amis qui vont vouloir tester ce... Cette piste-là, ils vont voir ski, ils vont commencer dans les airs, ils vont faire d'affuc. Aïe, 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 aïe. Bon, ça me donne l'occasion de pouvoir changer de jeu. Nickel, heure, il est 16h, j'ai commencé à 14h environ. Ouais. Ouais, j'envoie le rapport de plantage à Ubisoft, hein, leur dire bon, ben vous avez vu, hein. Vous avez un joli petit bug ici. Il est mignon ce bug. Ah, je vais m'étirer un peu.